Bah... aucun. Chien. Végétarienne. Entretien. Terrain. Je suis chargée d'études et je travaille sur les modifications ciblées du génome appliquées aux animaux. Je pense que ce que j'aime bien en fait, c'est aller questionner peut-être les idées reçues qu'on a, voir un peu les fonctionnements de chacun et la complexité de toutes les décisions qu'on peut prendre ou non, et de comment on se comporte en société, au sein d'une société et en tant que société. Du coup, j'ai parlé de la controverse autour des modifications ciblées du génome appliquées aux animaux d'élevage. Donc l'idée, c'était un peu de montrer, en allant voir toutes les parties prenantes du secteur de l'élevage, quelles pouvaient être leurs positions et leurs arguments sur cette question des biotechnologies appliquées aux animaux. L'idée, c'était un peu de montrer en quelques mots comment pouvaient se classer les différents acteurs, leur position vis-à-vis de ces techniques et aussi leurs arguments. Est-ce que c'était plutôt des questions liées au bien-être animal, des arguments autour de l'environnement, des questions sanitaires, des questions technologiques ou si c'était plus vaste et sur des questions de système d'élevage. Animaux sauvages. Alors, du coup, c'est à peu près la même vu qu'elle est transcrite dans le droit français. Après, du coup, en France, on a la clause de sauvegarde qui fait qu'on n'a pas le droit d'en cultiver, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays d'Europe. Et du coup, je dirais française. Bah, aucun. Amélioration des conditions d'élevage. Bien-être animal.